Salut, c'est Sundard et bienvenue sur une nouvelle vidéo découverte d'un jeu d'arcade. Je suis avec Grocam. Ouais. Salut Grocam, c'est Edward Randy, Cliffhanger Edward Randy, conçu par Data East, sorti en 90 en arcade. Donc on va pas faire un test, hein. Là c'est vraiment la vidéo détente. Si vous voulez voir un test, allez voir la vidéo de Julien34 que vous trouvez dans la description. Voilà, allez c'est parti. Ok. Allez, moi je suis. Et là, Grocam va arriver. Ah oui, il faut appuyer sur start. Et voilà. Oh là, j'ai failli tomber dans du truc là, du bateau. Ouais, mais je crois que c'est pas grave, c'est tombé du bateau. Nous sommes deux aventuriers armés d'un fouet. Voilà, ça et... ressemble pas à Indiana Jones, ça va pas du tout, tout va bien. Et on part frapper. Et on se balade en Europe, hein. C'est censé être Venise, j'imagine. Tu peux t'accrocher à l'avion là au-dessus. D'accord, je sais pas, j'en dirais un espèce de oiseau géant. Bon, c'est super brouillon comme jeu, hein. On va pas s'attarder sur ce qui se passe. Non, c'est le bordel. Mais c'est facile. Au moins, c'est le jeu en arcade, tu tiens au moins 20 minutes avec un seul code. D'accord, alors, quand même, le jeu, c'est de voir les références. Hein. Attention, changement de plan. Ça te rappelle quel film, ça? Bah, Indiana Jones, je sais pas. Ouais, mais lequel? Lequel, je sais rien, je suis pas... La dernière croisade, putain, à Venise. Oui, juste. Voilà. D'ailleurs, on a lu hier le truc sur Wikipédia, vite fait, et c'était quoi l'autre nom? L'autre nom qui était sorti, là, la référence? Tu m'avais dit que c'était un espèce d'aventurier sous stéroïdes. Ah, tu veux dire les influences de ce jeu? Ouais, je sais plus le nom de l'aventurier qu'on avait sorti hier, là. Tu m'avais dit que c'était un truc hyper connu. Buster Keaton. Voilà, c'est ça. Buster Keaton, c'est sorte de Charlie Chaplin, on va dire, un peu plus... sous stéroïde, quoi. Ouais. Manque de culture, je connais pas. Et tu vois, on n'a pas perdu un seul crédit pour le moment. Hein. Ça fait déjà quoi, 5-6 minutes. Ouais, mais je sais pas, je comprends pas, en fait. Je tape, je me baisse et je tape, en fait. Je fais que ça. Je baisse, je tape. Ça marche. Tu sais, les Power Gamers, ils exploitent hein, les failles. Attention, là, on a un boss, déjà. Bah, je sais pas qu'on est... Oh putain, il y avait une nana, regarde. Eh, hey, c'est la blonde, il y a la jaune. Parce que la nana à Venise, c'est que Nia Jones se fait, bah en fait c'est bon. Enfin, je crois. Ouais, faudrait que je le remote. Confirmez dans les commentaires. Oh putain, attention. Oh, c'est Baro. Balrog Bison. Non, Mister Bison. Attention, le feu. Eh, fuck. Putain, c'est inspiré de Contra 3, ça. Mais si. Oh, tu t'es accroché. Fais gaffe. Vas-y. Ouais, je te dis, ce jeu-là, c'est un truc de fou, quoi. Non ! Regarde, je suis en train de courir, là ! Je suis en train de courir ! Allez, mais avance ! J'y arrive pas, voilà. Allez, tape sur les canons, là. Tape sur les canons ! Tape pas sur les bambous. Oh, putain, tape sur les canons, ça lui va bien, quoi. Allez. Oh, putain, merde. Allez, par contre, mourir, là. J'ai bientôt un demi-cœur. Ouais, tout d'un coup, ça devient difficile, mort. Hein. Voilà, je suis mort. Ouais. Alors un crédit, une vie c'est un crédit. Ouais. Et t'as toute ta vie toi. Hein. Peach. Putain, c'est pas ce robot là. Peach. Mais qu'est-ce que c'est? Le saut est pas réactif, on dirait un film interactif. Non mais je te jure, j'ai fait un saut, ça fait pas de saut quoi. J'ai l'impression que c'est un QTE géant ce jeu. Ouais, c'est très bizarre. Voilà, premier niveau. Stage 2, pourquoi je suis attention. Stage en voiture. Pourquoi on est dans les Alpes maintenant là? Si tu sautes, tu te mets sur une roue. Je sais pas du tout à quoi ça sert, mais c'est stylé. Oh. Là, c'est pour la gravité, la physique. Alors, tu vois, là, je me mets sur deux roues. D'accord. Ah ouais, d'accord. Je sais pas à quoi ça sert. Ah, c'est pour se débarrasser des ennemis qui sont sur la roue. C'est un peu prétentieux de dire que c'est les références de jeu, c'est Buster Keaton. Hein. C'est juste un truc complètement barré, quoi. Okay. Oh putain, il y a un type. Putain, attention, il balance des couteaux là. Bon, alors, si je puis me permettre, je peux me dire, le gameplay est un peu faible là. Hein. Bah, ouais, c'est ça qui est. C'est super brouillon, quand même. Et je le trouve assez facile, moi, pour un jeu d'arcade. T'as pas utilisé un seul crédit pour le moment. Hein. Ça se trouve, il y a 18 stages. Hein. Non, je me fais jamais toucher en fait.
Bah écoute, je vais faire attention à ma vie, on va jouer, au moins on va en profiter pour jouer à peu près bien, quoi. PGM, bon, faut... allez. Allez, PGM. Moi j'ai utilisé un crédit, on va voir celui qui utilise le plus de crédits à la fin de la partie. Voilà, je prends un petit compteur, c'est les quatre plus gros scores, c'est les quatre plus gros scores. Le score, c'est important. Oh, il est marrant ce jeu. Alors moi je fais que ça, hein. J'appuie toujours sur le bouton de fouet. Attention, ils arrivent là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe quand tu clignotes en fait, c'est que tu te fais toucher quoi. Ouais, et t'as plus beaucoup de vie là. En fait tu te fais toucher mais tu l'as pas remarqué. Mais si, mais... Ah, je suis mort. Et un crédit. Tech port. Ouais, alors c'est un petit temps de pause à chaque fois que le joueur arrive en cours super, de partie. Tu peux pas éviter les trucs, il y a des hitbox qui est tellement chelou. Mais c'est... Ouais, c'est bien comme jeu, c'est bien. Ouais, ça pète. C'est génial. Parce qu'on a décidé de pas être... Ouais. Le jeu, c'est bien. Ouais. Faut jamais dire du mal du jeu vidéo, maintenant. De toute façon, cite-moi un jeu mauvais. Oh. Voilà. Un jeu mauvais. Moi j'en ai pas. Faut pas ça, on m'a demandé si t'as un jeu mauvais. Surtout pas le nouveau Tomb Raider. Resident Evil 6 peut-être. Non, super. Le nouveau Tomb Raider, Heavy Rain. C'est génial ce jeu. Allez, on tape. On raconte vraiment n'importe quoi. Non, c'est la vidéo détendue du slip, voilà. On voulait jouer à Edward Randy Cliffhanger. Attention! Il y a des cailloux ouais, qui tombent du ciel là, ça n'a aucun sens. J'ai dit, c'est un QTE géant ce jeu. Ça n'a aucun sens! Putain, le tank. Tu fais bas, tu tapes. Par contre, il n'y a que deux boutons. Et au fouet, quand même, ils ont une matière. Bah, il y a une pique au bout du fouet. Ah bon? Ah merde! T'as encore perdu un crédit, non? Oui, mais je prends le tech part, je te laisse un petit peu y aller en solitaire. En dessous, tu as le nombre de vies du boss. Hein. On a 12 000 là. Oh putain, attention, allez, la grenade! Et comme dans Gunstar Heroes! Et voilà! Oh putain, le gros camion! Putain, gros temps, gros camion. Ah bah non, ce gros camion, c'est gros camion ami. Ouais. Tout est gros. Oh putain! Non, c'est pas le camion ami, je crois. Ah, c'est ça, ah, la si, on peut monter dessus! On peut monter dessus! C'est ça la référence à Buster Keaton en fait. C'est le fait de courir connement. Ah, c'est marrant quoi. D'accord. Oh non, je veux pas tomber de la falaise. Aimez. Ok, c'est bien. C'est bien ce jeu. Tout va bien. Il est énorme, c'est bien. C'est... Mais oui! Non, je vais tomber! Comme Fantasia sur Mega Drive, c'est excellent! En tout cas, il est crevant! Hein. Putain, j'ai mal au doigt là! Hein. Force de taper comme ça! Moi j'ai le coup! Regarde, là on peut s'accrocher avec lui! Ouais, putain, mais ça va il est où mon perso là? C'est juste pour frimer en fait! c'est pour frimer que tu t'agrippes! Moi j'y vais sec! Rien! J'ai perdu mon perso de vue! Je suis où? Ah, je préfère quoi? Alors où? Ah mais je suis mort en fait. Hop là, deuxième crédit. Tu perds pas de vie hein. Putain mais... Bon ça va, je commence à comprendre à moyennement. Je piche rien. Ah oui, là au moment où toi tu piches rien, moi je commence à comprendre un petit peu. Non mais je perds mon perso de vue, tu vois. D'accord. Ah oui, tu peux... Quand tu te balances, tu peux mettre des kicks. Ouais. Yeah. Oh, il m'a mis un kick. Vas-y, remonte. C'est moi qui mets des queues. Oula, qu'est-ce qui se passe? Un cerf quint. Quint. Putain. Allez, un cerf à coin là. Start. Bah, je suis dessus là. Tu me vois pas? Oui, c'est bon. Qu'est-ce que tu racontes? Il est tard. Non. Ah, putain, je suis où? Ah, je suis mort. Ok, d'accord. Non, c'est moi qui ai mort. Non, mais c'est. Il est bien ce jeu. Putain.
Non mais c'est ultra bordélique là. Ouais, c'est facile. Hein. Mais c'est ultra bordélique, mais c'est bien hein, quand même. Le bordel des fois, c'est vraiment un bon jeu, hein, sérieux. Ah mais j'ai pas envie de. Oh y'a un monstre qui ressemble à rien. Putain mais. Ah je me suis trompé, en fait je pensais que j'étais je te jouais. Ah ouais, c'est ce que je me disais depuis tout à l'heure, je me dis qu'est-ce qu'il y a. Pendant Moi allez. Je suis en dessous. Oui, oui, et en fait, je pensais que j'étais toi, en fait. C'est tellement bordélique que tu sais même plus qui tu joues, quoi. Toi, t'es habillé en noir et moi, je suis habillé c'est en blanc. C'est bien. Allez, on avance. Stage 4. Là, on se trouve sur... Ah non, on n'avance pas, là, c'est le scrolling qui avance. Putain, mais tu fais systématiquement toucher. Bah non. Ah non. Enfin, je comprends rien là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avancer ou quoi ? Non, faut attendre que les. Je sais pas. Allez, moi je me balance parce que c'est stylé. Hop. Hop. Bah remonte ! Bah je suis au-dessus moi, c'est toi qui es en dessous. Mais putain ! Mais putain, c'est quoi les sons ? Tu n'es pas concentré ! Attention, une main ! La gestion des sons, je comprends pas. Toi t'es en dessous. Moi je suis en blanc. Toi t'es en noir. Mais je sais, mais je sais. Mais hein j'y arrive pas. Attends. Hop. Mais quelle aventure épique ! Ah c'est épique hein. Merde, je suis tombé ! Non ! Je suis remonté, je sais pas comment. Ah c'était pour le. Bah, un effet émotionnel. Ah je me fais tirer dessus par le con en dessous. Ah non mais faut pas sauter dans le jeu. En fait faut pas sauter. C'est Bionic Commando. What's going on ? I'm dead! Hop, top. Oh merde, je vais tomber! Ah, ça va quand on tombe, il se passe rien en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tout seul là, tu dois rejoindre la partie. Ah, t'es con. Putain, on est super concentré, on est à fond dans le jeu quoi, on sait pas ce qui se passe. Moi, je suis ébloui par les graphismes, j'ai oublié de d'insérer une caisse. Putain, mais c'est le bordel! Ça devient dur! Et c'est pas fini hein. On est encore loin d'être à la fin je crois qu'il y a une dizaine de niveaux et c'est de plus en plus barré le truc. Oh merde. Mais je comprends pas. Je sortir de là. Oh c'est bien le jeu. Le calvaire. Attention. Non mais je comprends rien. Bon, le jeu il est bien, c'est clair, il est bien barré, mais franchement. Va faire un spoil one credit de ce truc là quoi. Enfin, on disait ça pour Oddzone, hein, mais avec le recul, Oddzone il est pas si difficile que ça. Bon, le boss. Alors faut tirer dans quoi? Faut tirer dans son œil, dans sa tête? Mais non, faut tirer dans les tentacules électriques. Voilà, ça nous électrocute pas, tout est normal. Allez, tape vers le haut, tape vers le haut, voilà. Diago à la Castlevania. Ouh. Oh putain. Oh, j'ai évité le tir, la flamme, et je sais même pas. Oh, tu peux repousser les flammes avec ton fouet. Bah oui, c'est l'effet du vent. Oh, attention. Ça va, c'est même super simple, tu te mets comme ça en biais, tu tires. Ouais, c'est ça. Ça y est, il est pété. Il est trop facile ce jeu. Il va péter. Non, non, regarde, il y a encore 65 000, bientôt 55 000, 45 000, 35 000, il est mort. 35 000 c'est notre score. Non, c'était la barre de vie du boss en fait. Ah c'est marrant. Là maintenant on est sur un avion. D'accord. Alors, tu vois dans quelle référence ? Pas du tout. Super Balou peut-être, non ? Indiana Jones, la dernière croisade. Ouais, faut vraiment que je me la refasse ce film. La scène dans l'avion. Je tape. T'es en dessous toi. Oui, je suis en dessous. Ouais. Faut passer de l'autre côté. Attention, go. Oui. Je peux pas faire de là c'est facile. Là c'est mieux, tu vois. C'est un peu moins brouillon. Ouais. Oh merde, déjà le boss. Tu vois, il a 26 000 de vie. D'accord. Ennemi power là. Ah, c'est le même. Ouais, mais il est pas content. Elle est tombée dans l'eau, il a rouillé le pauvre. Bah écoute, on va te dérouiller la gueule, connard. Allez, 20 000, 18 000, 17 000.
Allez. Quel bordel, je comprends pas rien. C'est juste qu'il y a... Non mais on dirait Gunstar Heroes en fait. Enchaînement de boss avec des points de vie. 6, 5, 4, 3. Et merde, je suis mort. Mais joue toi. Ah oui. J'étais tout seul. Ou alors c'est toi qui jouais. Non, mais voilà. Et là t'es mort. Ah d'accord. Mais je comprends rien. Moi je comprends pas ces pinches là. Bah c'est une blague. Tiens, on souhaite là. Ah oui, donne-moi des coups. Sur un avion. Oh, l'hélice, elle me pique les jambes. Nice guts. On est toujours sur l'avion. Ah non, pas tombé. Tu maîtrises les sauts. Ah ouais, d'accord. Oh là là. J'ai envie de m'accrocher là-dessus. Putain, je me suis encore perdu de vue, tu vois. Alors c'est marrant, plus tu joues, plus t'as des points de vie, j'ai l'impression. On a plein de cœurs, hein. Ouais, c'est bizarre. C'est les aventuriers ou en cœur. Putain. On saute. C'est mon quota jeu de mots pourri, qu'est-ce que tu veux. Ouais, c'est ton côté Divi 300. Allez, hop, saute. Tape. Je sais pas si je donne des coups de poing ou des coups de fouet, c'est... l'animation est tellement naze. Il y a 2 frames par coup de fouet quoi. Quand t'appuies vers le bas et que tu fais un bond, en fait tu fais une roulade comme Cyberlip. Ah ouais. Ah ouais, c'est tellement Mais je comprends rien. C'est bien, je comprends rien. Putain. Non, y'a plus d'avion. Ah si. Putain, je suis atterri vraiment sur la pointe. C'est Strider là. Elle saute. Non, allez, trop tôt. Mais non. C'est bon. Ah, ça y est. Ah, c'est joli le décor en bas, là. Ah, si, sincèrement, là, je... Pas d'ironie. Tout va bien. Oh, putain, t'as pété l'avion. Tu m'as fait tomber. Il faut sauter d'avion en avion, là. Mais tu peux les péter, les avions, aussi. Oh, putain, on s'est pris la foudre. Et t'as fait quoi, là? Ah, c'est la foudre, en fait. D'accord, j'ai cru que t'avais fait un non, super... Non, j'ai un lightning... Il pleut. J'ai un lightning whip. Oh putain, une espèce de meuf. Ouais, des ninjas. C'est Non, je vais pas te dire. C'est le quota féministe du jeu. Oh putain, mais on se fait défoncer par la foudre. Attends que c'est pas l'indienne électrique qui nous défonce, ça, tout va bien. Allez. Attention à l'avion. Oh, il y a un zeppelin. Ah, c'est le boss. Je crois qu'il faut taper sur. Bah, faut taper dessus. Peu importe l'enfant, pourvu qu'il est mal. Non, faut se débarrasser des bras avant. Attends, j'ai une glissade. On peut exploser les bras. Faire genre, je les ai dit. Putain, on a toujours nos. Crevez, saloperie! 24 000. Allez. Oh, les flammes, super. Je crois qu'il y a un moment, je me confondais avec ton perso, encore une fois. Moi, ça m'arrive tout le temps, en fait. Pinch! Allez, 11 000, 10 000. Allez, crève! Oh, j'ai évité les flammes, je sais pas comment, mais je les ai 7 000, 6 000, 5 000! Allez, crève! Machine de merde! Nous, on marche à l'ancienne, on marche au fouet, on n'a pas besoin de... Attention, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de rouages et de trucs électroniques de merde. Stage clear. Stage 7. Putain, c'est qui, lui? C'est Bison 2. Et t'as vu, et regarde ses points de vie en dessous. Et on en a pour 2 heures, là. Non, c'est une blague. T'y crois? Mais où, regarde, il y a 607 000. C'est pas une blague. Oui, mais tu lui donnes un coup, tu vois, il passe à 500. Tu vois, c'est une blague des auteurs, en fait. Ouais, d'accord, mais pour arriver à zéro, on en a pour des heures, là. On va jamais pouvoir le tuer, en fait, ça va durer... Mais non, il est déjà à 300 000. Allez, on frappe dessus, on s'en fout. Je crois qu'on a la fin, c'est peut-être le boss de fin, je sais pas. Il doit restart, là. À l'avion qui tourne. Oh
Oh merde! Non! Putain, mais c'est impossible! Comment tu peux rester sur la dalle quand tu tombes? En fait, faut sauter au bon moment, quoi. Eh merde, je suis tombé. Hop là, tu vois. Non! Ouh, je me suis approché. Et je suis tombé. Tu vois, il est à 183 000. Hein. Putain, mais c'est le bordel ce truc, je te jure. Mais non, mais c'est n'importe quoi. En tout cas, c'est bien mal au doigt ce jeu. Pourtant, on a la même manette. Hein. On n'a pas les mêmes mains. Ah, moi j'ai des petites mains, moi. Non, attends, il a un tuable ce boss. T'as vu, on a un truc au-dessus, c'est Power Up et Power Down. Je sais pas ce que c'est. On va se décourager. Ouais, voilà, regarde-le. Ouais, ouais, il se divise en deux dans une magnifique animation superbe. C'est fou, ouais. Ouais, the plane crash down into the armored vessel. Ah oui, c'est fini? Tu plaisantes? On a sauvé la petite fille, tout le monde est content, elle s'appelle Charlotte. Le nanar, quoi. C'est n'importe quoi. Je pensais pas que c'était la forme. Bah, faut suivre le scénario un petit peu quand même. Peut-être que c'était une histoire profonde. Ouais. Tellement profonde, on a rien compris. Bon, et bien voilà, c'était Edward Randy. Qui sont les auteurs de cette chose? Ah, Dataist. Lungfish. Dataist, c'est quand même. C'est pas rien. Là, c'est les données de l'Est. Hein. Mais non, mais Data, c'est oui, données. J'ai compris. Et Squaresoft, c'est le carré soft. C'est le carré soft. Ouais, ouais bon, on va arrêter de dire des conneries. Si c'était Square Hard, t'aurais du cul dans Final Fantasy. Je crois qu'on est fatigué, on va s'arrêter là. Non, je crois qu'on va passer à un autre jeu, je sais pas, on verra. Ouais. Fujiwara. J'ai envie de jouer aujourd'hui. Fujiwara, Ayoma. Reika Maro. Bah, heureusement que c'était court. Ouais. On va voir qui a utilisé le plus de crédits. Ça s'affiche devant vos yeux à l'instant. Comment magique, ça, hein, t'as vu ça? Comment ça s'affiche? Ah ouais, regarde. Hop, t'as vu? Je ah ouais là. Trop fort. Putain. Bon bah, Sundar. Bah, j'attends la fin du générique. Fin! Fin! Allez, j'arrête là, la capture. Hop. Ah! Aha! Je me suis ramassé une claque dans la gueule, t'as vu? Voilà. C'est la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ouais, merci. Merci d'avoir supporté les blagues de Gros Cam une fois de plus. Merci, Dataist.